suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Monsieur, jouez-vous aux échecs? Oui. Venez avec nous. Je suis la reine. Vous serez le pion de la reine. Dites-moi, qui est-ce? Tout à l'heure, je vous répondrai. Pion du roi Jack. Et alors? C'est notre champion. Pion du roi 4. Et qui est-il? Personne n'en est certain. Cavalier de la reine numéro 3. J'en ai entendu parler. Que dit-on de lui? Ce serait un ex-comte. Cavalier du roi 3. D'où est-il? Personne ne le sait. Fou du roi 5. Ses ancêtres sont supposés avoir pratiqué les échecs toute leur existence. Fou du roi, cavalier 4. On dit qu'ils faisaient exécuter leurs adversaires malheureux. Charmant. Oh, ne soyez pas inquiets. Ça n'existe plus ici. Cavalier du roi 2. Qui est donc le numéro 1? Cessez donc de poser des questions. Le pion de la tour au roi. Tout semble bien aller. Sans doute. Mais surveillez-le. N'ayez aucune inquiétude. Pourquoi êtes-vous ici? Cavalier de la reine 2. Oh, voilà un très beau coup. J'en ai un meilleur encore. Hein? Celui de partir de cette prison. C'est impossible. C'est toujours possible. Ça l'est pour moi. Tour de la reine 5. Ils ont déjà ôté tout espoir. Je ne crois pas ce qu'ils disent. Personne ne peut les croire. Pion de la reine 4. Pion de la reine 4. Je pourrais vous aider un peu. Le pion de la reine 4. Comment? Pion de la reine 4. Dites-le. Pion de la reine 4. 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 C'est vous qu'on appelle. Allez, vite, vite, déplacez-vous. Ne soyez pas inquiets, votre reine va vous protéger. Fou de la reine 3. Je vous l'avais bien dit. Le numéro 6 a du sang-froid. Oh, ça n'est qu'un pion. Le moindre faux mouvement peut l'éliminer. Pas tant que la reine le protège. La reine? S'il y a un risque, elle ne le prendra pas. Si vous avez besoin de moi, vous savez où je suis. Je suis en mauvaise posture. Alors dans ce cas, pourquoi acceptez-vous le jeu? Pourquoi pas? J'aime beaucoup jouer aux échecs. La reine de 3-4. Comment allez-vous? Vous du roi du dans le faux-soir. Cavalier 4. Reine 2. La reine est la tour. Roi.
échecs. Le roi agit de lui-même, sans prendre les ordres. Qu'on s'occupe de lui. Allô, ici contrôle. Contrôle, appel hôpital. Contrôle, appel hôpital. Une urgence à l'échiquier. Amenez un remplaçant. Amenez un remplaçant. Un remplaçant. Un remplaçant. Comporte la pièce défectueuse jusqu'à l'hôpital. Comporte la pièce défectueuse jusqu'à l'hôpital. Que se passe-t-il au juste? Il agit seul. C'est le comte qui doit décider. Et que va-t-on lui faire? Il subira un traitement. De très éminents spécialistes le soigneront. Le fou du roi, 4-4. Ça va venir en l'action du fou. Reine 2. Reine enlève sa main du roi. Échec et mat. Tous mes compliments. Eh bien, vous vous en êtes bien tiré. Si nous marchions. Mais oui. Allons-y. Pourquoi employez-vous des gens? Le psychiatre dit que cela exalte le désir de puissance. On a si peu l'occasion de dominer ici. Ça dépend de quel côté on est. Je suis de mon côté. Comme les autres. Vous êtes nouveau ici. Tout le monde un jour rejoint l'ennemi, que ce soit de gré ou de force. L'avez-vous rejoint? Si nous parlions de la partie. Pourquoi les pièces n'ont-elles qu'une couleur? Et pourquoi pas des blancs et des noirs? Oui. Ils nous posent tous la question. Et alors? Par leur disposition et par leur mouvement. Vous savez, ceux qui sont pour vous et ceux qui sont contre. Je n'ai pas saisi. C'est une question de psychologie, c'est une manière de diriger sa vie. On juge seulement sur l'attitude. Les gens ne portent pas d'uniforme. Pourquoi compliquer les choses? Ça garde votre esprit en alerte. L'esprit, ça sert à quoi ici? Et alors, venez. Que disiez-vous? À quoi sert votre esprit dans un milieu pareil? À rien, non? Vous croyez? C'est une question de dignité. Une sorte de défi aux lois. Je suis trop vieux. Pourquoi? Pour fuir. Par quel moyen? Oh, tout le monde a un plan ici, mais tous échouent. Et pourquoi? C'est comme aux échecs. Rien ne distingue les blancs des noirs. Chose à vous dire. Comment pensez-vous partir? Qui dit que j'en ai l'intention? Oh, voyons, même les plus résignés pensent à partir d'ici. Moi, je peux vous aider. Et pourquoi? Par amitié, c'est tout. Si c'est un plan sérieux, il peut réussir. J'ai souvent aidé des gens. Et vous êtes là? Mais parce qu'ils ont échoué. Quelle coïncidence! Mais c'est une bonne expérience. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Quelle confiance puis-je avoir en vous? Vous devez courir le risque. Sûrement pas. Ah, bonjour. Intéressant, les échecs, hein? Ne me dites pas que ça vous passionne. Ah, mais si, voyons. Nous voulons voir tout le monde heureux. Bon, alors, donnez-moi donc mon billet de retour. Vous y songez, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Vous avez grand tort. Nos moyens sont très efficaces, nous vous empêchons de partir. Oui, je l'imagine. Nous agissons sous un contrôle médical très perfectionné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il suffit de voir l'état de l'homme qu'on a arrêté hier. Ah, le roi! Nous n'avons rien fait à cet homme. Il sera juste réhabilité, rien d'autre. À vous entendre, ça a l'air assez plaisant. Que croyez-vous? Que je l'envie? Excellent sens de l'humour. Malgré cela, vous êtes triste. Venez. Pourquoi? Je vais à l'hôpital. Vous aimerez peut-être aller rendre visite au roi? Oui. Qu'il est prêt. Il sera réveillé dans une minute. Bon, très bien. Nous n'avons jamais travaillé toutes les deux, n'est-ce pas? Non, docteur. Vous savez, je suppose qu'il ne faut absolument pas lui parler. Bien sûr. Vous allez être très intéressé, je crois.
Dans son principe, c'est ce que Pavlov a déjà fait lui aussi. Avec des chiens. Le patient en est un, à moins que ce ne soit un rat. C'était un chien. Le patient a été déshydraté. Il souffrira d'une soif incoercible à son réveil. C'est la phase 1. À boire. Restez où vous êtes. À boire. À boire. Ne dites surtout pas quand vous, vous souffrez plus encore que cet homme. Dans une société, chaque membre doit sans hésitation obéir. À boire de l'eau. De l'eau. Vous en aurez quand vous obéirez. Allez jusqu'au distributeur bleu. Faites ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur. Le bleu. Merveilleux. Il a obéi aux ordres. Vous devez bien sûr être très fier. Nous sommes fiers de lui. Il a dû lutter beaucoup. Et maintenant, il va être à nouveau des nôtres. En tout cas, il m'a donné du mal. Les ennuis ne font que commencer. Il est ici pour traitement? Pas encore. Dommage. Qui sait où se trouve son point de rupture? Oh, vous avez devant vous toute la vie pour y songer. Je n'en sais rien du tout. Courir est un signe de résistance. Non. Le désir de s'échapper. Non, je n'y pensais pas, non, je vous le jure. C'était instinctif. Oui, non. Quoi que vous disiez, c'est non. Je serais très heureux de vous parler. Me parler de quoi? Venez par ici. Pourquoi voulez-vous vous cacher? Vous êtes ici depuis quand? Un mois ou un an, qui peut le dire? Vous avez encore de l'espoir? Celui de mourir, oui. La mort est une évasion. Oh oui, un jour je m'évaderai dans la mort et on ne pourra plus rien me faire. Pourquoi êtes-vous ici? Ça ne regarde personne. Je veux le savoir. J'avais inventé un nouveau système de défense électronique. Et alors? Mais pourquoi? J'ai déjà tout avoué aux autres. Redites-le encore. J'ai pensé que toutes les nations devaient l'avoir. Ça ne pouvait que renforcer la paix. Trahison. Je l'ai fait en croyant bien faire. Le plus drôle, c'est qu'ils se sont laissés prendre le dessin sans rien faire. Drôle. Vous trouvez ça drôle? Oui, c'est drôle. Qu'il y ait eu tous ces gardes autour et qu'un pauvre employé se soit laissé subtiliser sa serviette. Vous aviez tout organisé? Hélas, j'aimerais que ce soit vrai. Non, je veux dire, non, cessez donc toutes ces questions. J'ai besoin de quelqu'un qui ait un peu d'esprit d'indépendance. Oh non. Il en reste peu ici, hélas. Non, oubliez ça. Ce serait... Je suis prisonnier aussi. Oh, on m'a déjà fait ce petit coup-là, croyez-moi. C'est la vérité.
Pourquoi ces questions? Je veux être sûr que vous êtes l'homme dont j'ai besoin. Pour faire quoi? Nous reparlerons de ça. J'écoute. Ici le contrôle, une chose à signaler. Le numéro 6 a l'air de se lier avec le roi. Passez-moi en vision. Vous étiez intimidé, vous perdiez votre force. Par mes manières, vous m'avez pris pour un gardien. Oui, c'est juste. Par vos manières, j'ai su que vous étiez prisonnier, un prisonnier résigné. Leçon. S'il avait bougé le cavalier du roi au lieu du fou de la reine, il aurait été couvert, non? Sans doute, mais le fou prenait le cavalier. Oui, mais la reine, à son tour, le prenait. Rien d'inquiétant. Vous gardez l'écoute? Ouais. Non. Une minute. Docteur? Oui, j'écoute. Jusqu'à quel point peut-on se fier au traitement de réhabilitation? Au sujet du roi? Oui. Oh, il est sans aucun doute totalement intégré. Vous entendez? Oui, oui. Inutile de perdre du temps avec ça. Quoi que puisse tenter le 6, il n'y aura pas le moindre péril. Ici, les gardiens posent aux prisonniers, mais on ne m'abuse ni même ne m'intimide. Vous n'êtes qu'un prisonnier. Oui, je sais. Seuls les autres prisonniers veulent m'obéir. Donc il s'agit de reconnaître ceux qui sont avec vous. C'est indispensable. On ne réussit pas à sortir d'ici si on ne sait pas sur qui compter. Et vous allez faire quoi? Une chose après l'autre. Nous allons chercher d'abord quelqu'un sur qui on puisse compter. Excusez-moi. Oui? J'ai à vous parler. Il vous faudra attendre. Bon, ça ne fait rien. Un gardien. Celui-ci? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peintre, non? Ben oui. Mais si c'est pas à votre goût, je peux recommencer. Hein, c'est parfait comme ça, n'est-ce pas? Oui. Continuez, 42, nous reviendrons. Oui, monsieur. Messieurs, bonjour. Nous voulons inspecter vos comptes. Mais on n'a jamais inspecté les comptes. Il faut en toute chose un début, non? Oui, bien sûr. Eh bien, entrez, vous trouverez mes livres en ordre. Leçon. Ces réunions me semblent très suspectes. Qu'est-ce qui se passe? Les micros sont débranchés. Les radioélectriciens sont en route. Vous croyez que c'est lui? Je n'en serais pas surpris. Il complote quelque chose. Un séjour à l'hôpital nous renseignera. Chat. Chien. Pluie. Soleil. Usine. Travail. Auberge. Encre. Encre. Auberge de l'encre. J'habitais juste à côté. Feuille. Arbre. Ombre. Clarté. Retour. Jeu. Amour. Jeu. Quel jeu? Tennis. Table. Chaise. Horrible. Érable. Rouge. Sang. Liberté. Pour tous. Ça doit suffire. Bon. Laissons-le. Alors? Il y a bien quelques associations curieuses, mais rien qui soit vraiment alarmant. Les épreuves précédentes? Je les ai dirigées en personne. C'est très intéressant. Sans doute, mais encore. Le résultat est... patient dans un état de complète subordination. De subordination? Aucun sentiment de sécurité personnelle. Et réaction négative à la douleur et au mal. Et s'il simulait son état? Non, c'est impossible. Il faudrait qu'il soit supérieurement fort pour cela. De quoi s'agit-il? Nous allons faire une nouvelle expérience. Et si elle réussit, nous aurons alors une certitude. En quoi consiste cette expérience? C'est l'aboutissement de recherches faites jusqu'ici sur des dauphins dans des centres d'études sous-marines de très nombreux pays. On implante des transistors dans la matière cervicale. Bien sûr, jusqu'ici, aucun être humain n'a été traité. Mais cela ne devrait pas être trop difficile à mettre au point. Merci.
Vous voyez ce monsieur sur l'écran? Il est séduisant. Il vous plaît beaucoup. Et déjà, vous l'aimez avec passion et dévotion. Vous feriez tout pour cet homme-là, tout. Vous iriez jusqu'à le trahir pour le sauver lui-même de sa propre folie. Ah, merci. Je peux voir? Ah, c'est un transistor. Oui, c'est ça. Il nous rendra compte de ses émotions intérieures. À chaque instant, elle va le suivre partout. Il vous aime, lui aussi. Il vous a donné cette jolie chaîne. Vous la porterez toujours sur vous, près de votre cœur. Vous entendez bien? C'est très ingénieux. Hypnotisme. À peu près, oui. Elle va chercher à le rencontrer. Lorsqu'elle l'apercevra, son cœur battra plus vite. Et si elle sent qu'il lui échappe, qu'il va essayer de nous fausser compagnie, elle sera effrayée. Elle ressentira une très forte émotion que le transistor nous fera connaître. Bon. Mais on reçoit fort bien le signal. Continuez, continuez. Quand elle le verra, les impulsions vont augmenter de façon très sensible. Ça y est, son cœur bat fort, elle l'a vu, je crois. 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7, elle atteint 70. C'est parfait, merci. Quand nous aurons l'analyse complète de ses réactions, nous passerons alors sur le circuit d'alarme. Très bien. Vous avez demandé un rapport sur le numéro 6. Merci. Ah, c'est ce que j'attendais. Quoi? Agressivité sous-jacente. Mon avis est qu'il faut absolument pratiquer une leucotomie qui annihile ses tendances à la violence. Il a trop de valeur, voyons. Je suis persuadé qu'on le soumettra sans avoir recours à ce genre d'opération. Tenez. Je vous écoute. Ici le contrôle. L'homme roule pour le moment dans une de nos voitures. La femme le suit dans une autre. Ah, elle est tenace. Voulez-vous qu'on les empêche de continuer? Non. Non, ne précipitons rien. N'agissez qu'en cas d'alerte jaune. Elle a dû le perdre. On peut peut-être faire appel à la caméra extérieure. Ici contrôle, j'appelle l'entretien. La caméra 80 est en panne. Qu'on fasse vite. Elle ne l'a pas retrouvée.
Mais un peu de patience, pas d'affolement. Il n'est pas loin. Elle le retrouvera. Où allons-nous ? À l'intersection des routes, ils vont réparer. Le matériel. Je peux monter? Vous m'emmenez? Bien sûr. Vous devez avoir des tas de choses à me dire, je crois, non? Qu'est-ce que je disais? Elle est avec lui. Regardez les impulsions. Ils sont ensemble. Aimer. Que vous déraisonnez. Sans doute. Mais je vous jure. Vous me connaissez à peine. Mais je sais ce que je ressens. Mais on vous a mis ça en tête. Oh non, pas du tout. Comment pouvez-vous douter? Oui, je doute. Mon subconscient reste constamment prêt à toute éventualité. Je suis prudent. Oh, je ne veux pas vous gêner. Chaque personne ici gêne plus ou moins les gens qui l'entourent. Croyez-vous qu'ils nous laisseront? Comment savoir? On espionne de tous côtés. Pourquoi risquer ainsi votre vie? On peut très bien être heureux ici. Vous croyez? Bonjour. Prenez-le avant qu'il refroidisse. Merci. Rien de tel qu'un bon chocolat avant de dormir. Oui. La journée a été dure? Oh, pas plus que d'habitude. Vous vouliez me parler? Oui. Comment êtes-vous entrée? Eh bien, par la porte. Oh, je suis si heureuse d'être avec vous. Ah oui? Oh oui, c'est merveilleux. J'en suis certain. Le chocolat est délicieux. Vous l'aimez? Oui, beaucoup. Est-ce que vous en voulez un peu encore? Ah non, non, merci, ce sera suffisant. Oh, vous êtes si gentil. Mmh. Oui, si gentil de me permettre de rester. Couvre-feu à tous les citoyens, 10 minutes avant le couvre-feu. Bonne nuit. Je serai très heureuse si vous m'aimiez un jour. Que je vous aime? Qui vous a donné cette idée? Vous dites? Je dis qui vous a donné une idée pareille? Mais personne! Alors sortez. Mais personne ne m'a sortez demandé! Mais je veux vous aider, c'est tout! Tout le monde ici veut m'aider! Qu'y a-t-il? Rien! Il n'y a rien du tout! Oh, cessez de pleurer! Excusez-moi. Hein? Je ne vous en veux pas. Je ne vous ai pas fâché? Non. Vous m'aimez un peu? Bien sûr. Oh, vous êtes si bon. Pardon? Je suis heureuse. Voyons. Oh, mais heureuse. Non, non, alors, il n'y a pas de quoi. Vous voulez un peu de chocolat? Du chocolat, non, non, merci. Demain, je vous verrai. Ah oui, je ne sors pas d'ici, je serai sûrement là. Oh, je vous remercie. Bonjour. Alors, comment ça va? Bien mieux aujourd'hui. Excellent. Les symptômes de votre frustration ont complètement disparu? Je pense que oui. C'est merveilleux.
Mais attention à la rechute. N'oubliez pas vos pilules. Oh non. Et n'oubliez pas qu'en cas d'attaque d'égoïsme subite, vous devez aller à l'hôpital sans attendre. Je ne tiens à être impropre pour personne. Il n'est pas question de ça. Vous devez être heureux. Merci. Touché. Où l'avez-vous eu? Sur l'aile d'un taxi. Vous prenez des risques? Pour l'instant, aucun. Ça marche? Je n'ai pas assez de transistor. Bon, je m'en charge. Bonjour. Vous n'allez pas vous baigner? Non, mais ne vous gênez pas pour moi. Oh, rien de presse, vous savez. Restez près de moi. Si vous insistez. Vous êtes parfois assez odieux. Non. Si je vous connaissais moins, je croirais que vous ne m'aimez guère. Et ce serait vrai. Pourquoi dites-vous cela, hein? C'est la vérité. Je ne vous crois pas. Si réellement vous ne m'aimiez pas, est-ce que vous m'auriez donné ça? Oh, non, j'ai bien peur que vous vous trompiez d'homme. Alors vous croyez que je fais erreur? Pourquoi, dans ce cas, j'aurais votre photo? Faites voir. Une seconde. Simple curiosité. Où avez-vous eu ça? Et c'est vous qui me l'avez donné. Ah oui. La photo est mauvaise. J'en ai une bien meilleure, je vous la donnerai. Je garde celle-ci. À bientôt. C'est un système de transmission. Il transmet les voix? Non. Ce n'était qu'un appareil d'alarme qui vous suivait sans arrêt. Et les pièces vous seront utiles? Bien entendu. Vous serez prêt quand? Cette nuit. Demain, nous serons sortis. Alors, qu'y a-t-il? J'aimerais bien le savoir. Regardez, notre système reste muet. Votre appareil est sans doute en panne, non? Ou alors, il a tout découvert. Ils étaient sur la plage. On doit bien les retrouver, quand même. Ah, la voilà. Mais elle ne l'a plus. Elle n'a plus le pendentif? Elle l'aura sûrement perdu dans l'eau. Mais où est le numéro 6? Perdu, ça vous aurait sûrement coûté très cher. Plus besoin de rien? Non. Je vais prévenir les autres. Cette nuit à minuit, le roi et le pion de la reine entrent en jeu. Cette nuit à minuit, le roi et le pion de la reine entrent en jeu. Cette nuit à minuit, le roi et le pion de la reine entrent en jeu. Allez-y. Appel de détresse. Appel de détresse. Appel de détresse. À toutes les stations, si vous me recevez, répondez. Appel de détresse. Est-ce que vous êtes bien sûr de la fréquence? Certain. Appel de détresse. Allô, appel de détresse. À toutes les stations, si vous m'entendez, répondez-moi. Urgent. Allô, ici le Polotska, je vous reçois. Ici le Polotska. Ici le Polotska. Allô, ici le Polotska. À vous, répondez. Je vous écoute.
Vous m'entendez, Polotska? Appel de détresse au Polotska. Ici le vol transocéanique D comme Delta, numéro 240. Le moteur droit est en flamme, nous risquons l'explosion et nous perdons beaucoup de notre altitude. À vous. Ici le Polotska. Donnez-nous votre position. Donnez-nous votre position. À vous. J'appelle le Polotska. Je vais donner notre position. Notre position est de... minute, longitude, 37 minutes. Degré de latitude, 37... Ici le Polotska. Ici le Polotska. Je vous reçois très mal. Répétez. J'appelle le Polotska. J'appelle le Polotska. Trop tard. J'appelle le Polotska. J'appelle le Polotska. Nous sommes perdus. J'appelle le Polotska. J'appelle le Polotska. Qu'y a-t-il ? Message de détresse d'un avion en difficulté dans la région. Où exactement ? Nous n'avons pas entendu. Le MS Polotska l'a contacté. Alors qu'il s'en occupe ? Pas. Allez-y, branchez-le. Vous allez rester ici jusqu'à ce que le bateau vienne ou je vous fasse un signal quelconque. D'accord ? Bonne chance. Le signal est très net. Il doit être très près. Essayons de le localiser, voulez-vous ? On n'a rien. Il ne doit pas être bien loin, pourtant. 6 degrés. Reste à savoir si l'appareil est encore à flot. Peut-être qu'il a coulé. Et si le signal vient d'un radeau ? Ça m'étonnerait. Ils sont peut-être plusieurs. Qui sait combien il y avait de passagers ? Et il n'y a qu'un signal. Ils économisent leur batterie, sans doute. Essayez, cherchons encore. Le mieux serait de monter sur la plus haute maison. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la montagne, au nord du village. Peut-être que la station radio nous donnerait une indication. Ici le contrôle, j'appelle la station radio, répondez, à vous. Vous êtes en retard. Ils sont là ? À l'intérieur. Tout se passe-t-il selon vos plans ? Oui, nous avons envoyé le signal et un bateau vient nous chercher. Oh, splendide, mais ici on est encore sur Terre. Mais on est sur Terre, mais il croit que c'est un avion qui est tombé en mer. Le roi envoie un appel automatique depuis la mer. Mais les gardes vont sûrement le prendre. Le temps qu'ils cherchent, ils ne feront rien jusqu'à ce que le bateau soit là. Ils vont découvrir notre signal. Il faut neutraliser ce phare. Je ne voulais pas être dérangé. Mais il y a urgence. La tour a été attaquée, le phare est éteint. C'est bon, je viens. C'est un peu tard pour une visite. Nous voulions, avant de partir, vous remercier de vos bontés. Surveillez-le. C'est votre
votre signal, je suppose. Si vous n'avez découvert que cela, alors nous sommes sauvés. Vous êtes très fort, mes compliments. Mais dites-moi, pourquoi restez-vous ici? Je sais ce que je fais. Liez-lui les mains. C'est un moyen primitif. J'espérais mieux que cela. J'aurais cru que vous trouveriez un moyen plus original. L'originalité, c'est votre affaire, mais vous pourriez apprendre à vos dépens que la force brutale est aussi un moyen efficace. On n'entend plus rien. Ça doit être le bateau. Attendez. C'est trop tôt. Ça n'est pas normal. Restez à l'abri. Je vais voir. Les autres passagers. Je voudrais parler de ça au capitaine. Bon. Je suis le capitaine. Vous vous en tirez indemne? Oui, merci. Désolé de vous décevoir, mais le Polotska est un de nos bateaux. La météo annonce un temps très mauvais. Vous n'iriez pas loin sur cette coque de noix. Je vous remercie de votre attention. De rien. Je crois que vous vous êtes mépris, mon cher. Vous êtes des leurs? Oh, moi non, c'est vous qui l'êtes. Quoi? Je viens de vous le dire. Il y a eu une erreur. Vous vous êtes mépris. Vous avez essayé de nous perdre. Qui ça, moi? Vous faites erreur aussi. Vous n'avez pas du tout compris le numéro 6. Vous voulez dire qu'il est prisonnier? Vous avez tout gâché. Ce qui arrive, c'est votre faute. Ah oui, comment cela? J'étais sûr que vous reconnaîtriez les gardiens à leur arrogance subconsciente. Mais vous avez oublié une chose. Oui, laquelle? Que le roi commettrait la même erreur à votre égard. Le fait de commander toute cette aventure, votre air d'autorité, l'ont persuadé que vous étiez des nôtres. Il a réussi à en persuader les autres. Alors, qu'allez-vous faire? Dès demain matin, ils retourneront à l'échiquier, comme pions.